C'est bien le fun d'avoir bien des mangeoires, mais des fois c'est pas drôle, il y en a qui se cognent fort dans la porte. Regarde, il y a plein de traces d'impact. Puis là, ben. Là, malheureusement, il y en a un qui est au sol. Fait que je vais venir le protéger au moins pendant qu'il est assommé. Pour qu'il y ait des prédateurs qui viennent le bouffer. J'espère qu'il va survivre, il a cogné fort. Bonjour. Bonjour. Prends le temps, là. Ouais. Prends le temps, là, de te replacer un peu, là. Oui, oui. Comme ça, ben. Mais t'es à l'abri. C'est un ciserain flammé femelle. Ils viennent nous rendre visite. Ce que j'ai pu lire là sur les internets, c'est qu'ils venaient une fois ou deux ans à peu près. À chaque deux ans, ils viennent nous rendre visite l'hiver. Ils partent de l'Arctique, de la toundra canadienne aussi. Puis ils descendent au Québec. Se réchauffe un peu. C'est un petit oiseau qui peut supporter, imaginez, ce que j'ai lu, là, moins 50 degrés Celsius. Et un tout petit, un être si fragile. Oui, tu t'en reviens tranquillement. Oui, oui, ça va bien aller. Là, je parle fort puis je te fais peur. Regarde, je suis, oui, prends ton temps. Oui, 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 oui. Tout est relax, regarde. Ça va bien. Ouais. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Tu partiras juste quand tu seras en forme, là. Prends le temps de relaxer. Ma voix te stresse un peu, peut-être. Je te stresse sûrement, oui. Ça a sonné, hein? Pauvre cocotte. Malheureusement, là, j'ose espérer que je vais leur avoir aidé plus que je vais leur avoir nuit. Il y a une stèle là-bas, au loin. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est sur la petite mangeoire jaune. Où est-ce qu'il y a du suif? C'est vraiment une belle espèce aussi, les citelles. Elles sont sédentaires. Ben, peut-être qu'elles se promènent aussi. Je ne suis pas un spécialiste là, en ornithologie. Là. Mais j'aime ça. Je trouve ça captivant. Là. C'est intéressant. Ouais, tu restes là. J'en ai vu un autre, il me semble. Ça va bien aller. C'est ça, comme je disais, j'ose espérer que je leur ai aidé plus que je leur ai nuit, mais... C'est ça, j'ai eu connaissance, les deux, trois, là. Hein. Deux, trois femelles, là, qui sont mortes, là. Un coup, il y en a un que l'écureuil l'avait dans la bouche. Il y avait un écureuil qui l'avait dans la bouche, mais probablement, sûrement, que c'était cogné contre la fenêtre, contre la porte. Puis il y en a deux, là. Il y en a un qui est mort dans mes mains. Malheureusement. J'espère que tu vas bien aller. Il y en a un qui est mort dans le banc de neige. Il s'est cogné contre la fenêtre en avant. Mais j'espère que je vais leur avoir aidé plus que je vais leur avoir dû, là. Ils ont mangé énormément, là. Tellement que je suis pas sûr qu'ils vont être capables de retourner en Arctique. Tellement qu'ils se sont bourrés à la face. Et ça mange du chardon, là. Ouf, c'était intense. Du chardon, puis l'autre, la petite graine noire, là. Je crois que c'est du colza. Je me souviens plus, là, mais je crois que c'est ça, du colza. Ouais, ça va bien aller. Ça va bien aller, mon petit. Non, endors-toi pas. Endors-toi pas. S'il te plaît. Endors-toi pas.
Ouais. Je ne sais pas si je serais mis de la rentrée à l'intérieur. Des fois, j'ai une cage à l'intérieur prévue pour ça, là, pour les laisser se reposer, se réchauffer. Ça a l'air d'être pas mal sonné. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ouais. Ouais. Des petits yeux. Des petits yeux. Je commence à avoir les doigts gelés, moi. On va rentrer à l'intérieur. OK? On va rentrer à l'intérieur. On va te laisser te reposer un peu. Sauf que ça fait un gros écart de température, puis je veux pas. Faut pas que ça te nuise plus que d'autres choses, là. Hop, hop, ça s'en revient. Ouais. Ici, en attendant. Là, tu peux t'alimenter. Un peu. Tiens. Prends le temps qu'il faut. Petit cadeau. On va la laisser se reposer un peu, puis on va revenir tantôt. Je vais vous la filmer en espérant que tout aille mieux. Bon, bien, bonne nouvelle. Je crois qu'il y a de l'espoir pour l'oiseau qui s'est cogné contre ma porte tantôt, le suzerain enflammé. Je pense qu'elle va mieux, mais on va voir. Bonjour. Bonjour. Oui. Je m'en viens te chercher. Puis on va te sortir dehors. Oui. Oui. Tiens. Ouais, ça stresse, hein? Je comprends. Je comprends que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui. Tu vas t'en aller. Un petit coucou. Regarde, regarde bien. Oui. Quand t'es prête. Quand t'es prête. Oh, je te retenais, je te retenais. Ouais.
Un petit mieux qu'on retourne à l'intérieur? Oui.